Bonjour à tous, ici Bob de PSO pour aujourd'hui un tuto comment faire une porte secrète. Donc vous placez déjà des pistons de cette manière-là, donc 4 comme ça, 4 comme ça, vous laissez 1, 2, 3, 4 entre 4 entre les pistons. Ici vous en mettez 4 comme ça en face de ceux qu'il y a derrière. Vous prenez des répéteurs, vous les mettez de cette manière-là, 2. 2, vous prenez de la redstone, vous remettez un répéteur là, délai numéro, vous mettez le dernier délai ici, délai ou tick, hein. Délai 2, vous prenez de la redstone ici, pareil, un répéteur, dernier délai, un répéteur, délai 2, redstone, un levier, vous reprenez de la redstone, 2, 3, 4, vous en mettez comme ça, vous mettez un cube comme ça, donc là il y a 4 cubes hein, derrière les pistons, pareil de l'autre côté, prenez une torche de redstone, voilà, reprenez de la redstone, donc vous creusez de cette manière là, 1, 2, 3, 4, vous comptez, hein. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez comment j'ai creusé, hein, regardez bien. Voilà. J'ai creusé de cette manière-là. Ensuite, en dessous, là. En dessous, ces pistons-là. Vous mettez, pas juste en dessous, mais juste après, c'est-à-dire que ça passe comme ça. Vous voyez? Vous mettez donc deux torches de redstone avec de la terre ou n'importe quoi. Vous rebouchez, voilà ici. À ce niveau-là, vous mettez deux répéteurs. Deux. Vous mettez de la redstone. Voilà. Ici, c'est bon. Ensuite, au-dessus, ici, vous mettez de la terre de cette façon-là. Quatre cubes comme ça, de cette façon-là, pareil. Vous voyez ce que ça donne? Ok. Ensuite, deux torches de redstone à ce niveau-là et de cette façon-là. Derrière, vous allez faire 1, 2, 3, 4. 1, 2. En face de celui-là, comme ça. Et comme ça. Ensuite, vous mettez donc le répéteur, un là, la redstone, oups, donc attendez, parce que là, ah, non, c'est pas comme ça, voilà, ça vous le reliez, et vous reliez de cette manière là, donc j'ai fait une petite erreur, hein. Donc regardez l'erreur que j'avais fait, donc là c'est bon. Ensuite, on va voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait être bon. Alors, je vérifie. Ok, c'est bon. Donc, bah, ça donne, en gros, ça donne ça. Ok. Vous voyez, donc là ça nous fait une porte secrète. Ensuite, bon là on voit que c'est pas très beau, hein, donc c'est pas très secret, hein, on voit tous les fils, tout ça. Donc vous faites un système où vous rallongez donc par derrière ici, pareil de l'autre côté par derrière ici. Donc voilà, même ici hein, vous allez rallonger, ça va vous donner ça au final. En ayant tout rallongé, hein, c'est-à-dire, je ferai une deuxième vidéo exprès. Une porte secrète avec donc le rallongement. Donc ça va vous donner ça. Voilà, donc je ferai une deuxième vidéo pour ce fameux rallongement, comment j'ai procédé pour tout cacher. Voilà, à bientôt.